Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Télécouleur pour un nouveau numéro de l'onglet éducatif et ludique version junior. Aujourd'hui, nous allons voir l'article 1N. On utilise « un » devant un nom singulier, sauf s'il commence par un son vocalique. Si le singulier commence par un son vocalique, « un » devient « n » pour faciliter la prononciation. Exemple, un alarme, un réveil. Attention, certaines voyelles ne correspondent pas à un son vocalique. Par exemple, « u » se prononce parfois comme « you ». On emploie « un ». Exemple, un uniforme, un uniforme, mais un umbrella, un parapluie. Quand un nom commence par « h », on utilise « un » si le « h » est aspiré et « un » s'il ne l'est pas. Exemple, un hot teapot, une théière chaude, mais « an hour », une heure. Un est un article indéfini. Il s'emploie de nom devant un nom singulier dénombrable qui n'a pas encore été mentionné. There was five little nice plates on the table. Il y avait cinq jolies petites assiettes sur la table. C'est la première fois que ces assiettes sont mentionnées dans la conversation. Merci beaucoup. Bon après-midi. Prenez soin de vous. Restez chez vous. À la semaine prochaine. Au revoir.